Allez, on en vient à présent au deuxième sujet en débat. Le temps est complètement parti. On va s'intéresser à la désignation de M. Boni Yayi comme étant désormais le nouveau président du parti d'opposition Les Démocrates. Est-ce que vous avez vu cela venir, Dr. Paul-Marie Wessou? Non, moi, je n'ai pas vu ça venir. Et d'abord, je voudrais dire que, en fin de compte... On va pas faire en fin de compte, la rétroactivité. Non, en fin de compte, Francis et moi sommes d'accord. Il nous a rejoint. Nous sommes d'accord. Mais non, on n'a pas vu ça venir. Mais je voudrais dire simplement que c'est à la fois stratégiquement intéressant, mais aussi à la fois stratégiquement dangereux. Pourquoi ? Stratégiquement intéressant parce que, vous voyez, on prête au chef de l'État. Souvent, quand je parle du chef de l'État, il faut comprendre que je parle du chef de l'État en tenant compte de ce qui est dit, ce qui se fait et ce qui doit être fait. Et on prête au chef de l'État l'intention de réviser la Constitution et de dire, de faire maintenant cet tenant et cet tenant. Et si c'est le cas, stratégiquement, je crois qu'il a un challenger en fait, puisque et les deux seront dans les mêmes conditions de départ si la Constitution est révisée aujourd'hui. Le sujet n'est pas, comment le sujet n'a été évoqué dans l'actualité. J'ai dit, on lui. Et le chef de l'État a toujours plaidé. Lui n'a jamais dit. Il n'a jamais entretenu le flou autour de ses intentions. Aucun flou là-dessus. C'est pourquoi j'ai dit, quand je parle de lui en tenant compte de ce qu'il. Faut-il prêter flanc à ce que. Faut-il prêter flanc au racontable? Non, mais ça fait partie de l'opinion publique. Il faut dire, docteur, qu'on ne fera pas de la politique fiction. Mais ça fait partie de l'opinion publique. Ça fait partie de l'opinion publique et c'est permanent. Mais cela risque de donner un écho qui ne devrait pas être donné à ce genre de propos. Non, docteur Wessou. Non, mais écoutez, je dis ça fait partie de l'opinion publique. Et si vous faites un sondage, je n'ai pas dit ça fait partie de l'intention du chef de l'État. J'ai dit de l'opinion publique. Et si vous faites un sondage... Est-ce que vous prêtez flanc à cette opinion? Non, c'est parce que vous insistez là-dessus maintenant que... Parce que pour moi, c'est juste un élément d'argument pour aller de l'avant. Allez-y. Bon, donc si c'est le cas, je dis, si c'est le cas, donc il a un challenger de taille aujourd'hui. Passer cela... il y a stratégiquement le fait que, en prenant la tête du parti aujourd'hui, il va assainir le fonctionnement même du parti, parce que vous savez, on a eu des problèmes pour la désignation du candidat de ce parti là en 2021, et on n'était pas encore sûr de comment ça va se passer en 2026. Mais en prenant la tête, il assume une certaine tranquillité dans ce qui va se passer. Mais le danger est celui-ci. C'est que en prenant la tête et en assumant, donc il va assumer un rôle important dans la désignation du candidat qui va venir la prochaine fois. Mais le danger, vous le savez, en 2016, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment une grâce politique, mais quand il se met en action, c'est qu'il jette toute cette grâce par la fenêtre. Et en 2016, il est allé nous amener quelqu'un qui n'était connu de personne. D'accord. Et donc, c'est un danger pour ce qui va se passer encore en 2026. Et je pense qu'il va prendre conscience politiquement de cela et savoir qu'il a droit à influencer ce qui va se passer, mais que c'est le parti qui doit désigner le candidat. Mais le deuxième élément important, c'est que le président Yayi, il ne peut pas être le porte-voix de ce qui le Bénin de demain. Il ne peut plus être cela. Et donc, le candidat du parti doit émerger. Or, c'est apparemment lui qui assume le rôle du chef de file de l'opposition à partir de maintenant. Et donc, ça pose un problème au parti dans ce que les Anglais appellent le messaging for the future. Le messaging for the future, c'est le message politique
qui doit être, enfin, celui des démocrates pour le futur. D'accord, voilà. Très bien. Alphonse Moïse Soulé Boniaï, président du parti Les Démocrates, est-ce que ce n'est pas déjà 2026 qui est en train de se jouer et que c'est un choix stratégique? Non, 2026 pour les démocrates est plombé. 2026 pour les démocrates, c'est plombé. C'est plombé déjà. Parce que vous voyez, il faut voir dans quelles conditions on a fait partir Eric Ondété. Vous pensez qu'il a été évincé? Il y avait déjà au sein du parti Les Démocrates un courant qui reprochait qui reprocherait à Eric Ondété d'être proche du chef de l'État, le président Patrice Talon. Et par conséquent, vous allez voir, il faut voir un peu les sorties du chef de l'État, de l'ancien chef de l'État Boni. Il n'est pas parti. Hein. Non, il n'est plus à la tête du parti. Mais il est vice-président. Oui, il n'est plus à la tête du parti. Donc aujourd'hui, vous pensez qu'il a été évincé? Il a été évincé. Vous allez voir, regardez en 2021. Regardez en 2021 la difficulté que le Parti Les Démocrates a eu pour désigner son candidat. Et finalement, on n'a pas rachuté comme candidat des démocrates. Est-ce que justement ce n'est pas pour éviter ce genre de situation à l'avenir? On se dit la personne morale que constitue aujourd'hui le président Boni Yayi peut en dernier recours arbitrer justement le débat au sein des démocrates pour désigner un candidat qui ferait plus ou moins consensus. Je me rallie et à l'analyse du docteur. Écoutez, en 2016, c'est ce qui s'est passé. Et puis ça fait flop au niveau de la FCBE. Mmh. Ça fera la même chose parce qu'aujourd'hui, dans les démocrates, il y avait deux courants. Ne nous, nous trompons pas. Le courant nous réunit à Tchadé et le courant Eric Ondété. C'est vrai que Boni Yayi est venu pour réconcilier les deux. Mais ce que je dis, Boni Yayi n'était pas obligé d'être président de ce parti politique-là. D'accord. Et puis Boni Yayi refuse le renouvellement de la classe politique. Il refuse. J'estime qu'il n'a pas encore digéré. Est-ce qu'il ne vient pas? J'estime qu'il n'a pas encore digéré d'avoir perdu le pouvoir. Est-ce qu'il ne vient quand même peut-être pas en tant que guide pour la nouvelle classe politique? Vous avez suivi un peu le parcours politique de Boni Yayi. C'est vrai que c'est un leader, mais à un moment donné, quand il faut faire les choix décisifs, il est toujours passé à côté. Francis Eloge Attadé, Boni Yayi, c'est quand même un mastodonte politique, c'est quand même un poids politique, qu'on le veuille ou non, refuser de ne pas l'admettre, c'est faire preuve de myopie politique. Oui, écoutez, je suis à la fois heureux et interloqué, et puis du point de vue de la finesse de raisonnement, je sens qu'il y a un petit problème. Vous savez évidemment que quand vous avez des soldats sur le terrain et que vous sentez vos soldats en difficulté, le général d'armée descend sur le terrain et parle. Derrière le pouvoir. Le président Talon, pendant qu'il était dans l'ombre, il n'était pas président public, il finançait des partis politiques, il finançait des associations. Et quand il a su évidemment que les associations ne pouvaient pas faire le travail, lui-même, il s'est dégagé volontaire pour venir prendre le pouvoir. Et je crains un bégaiement de l'histoire. Sauf que l'article 42 nouveau, la Constitution, empêche Boni Yayi de loyer encore du côté du palais de la Marina. Par contre, en tant que citoyen, il jouit de ses droits et aucun test ne l'empêche d'occuper la présidence d'un parti politique, d'être député et même de loyer du côté du perchoir de l'Assemblée nationale. Mmh. Premier constat. Second constat, on peut dire que l'avènement de Boni Yayi, c'est en fait une question de jeu de chaise musicale. Parce qu'on a supprimé le poste de président d'honneur et désormais on a bougé les chaises. Le président d'honneur est devenu président du parti. Mmh. Et Eric Ondété, qui était président du parti, est devenu premier vice-président du parti. Mmh. Atchadé Nourini, qui était premier vice-président, est devenu deuxième vice-président du parti. Donc, c'est une question de jeu de chaise musicale. Alors, pourquoi? Pourquoi Boni Yayi peut-il accepter de venir encore à la tête du parti Les Démocrates? Des hypothèses. Alors, première hypothèse, c'est que Boni Yayi estime que la gouvernance qui est en cours ne répond pas à ses attentes et aux attentes des membres de son parti. Puisque vous avez suivi Boni Yayi à l'occasion des campagnes de janvier 2023, partout où il est passé, quand il parle un peu nago, il ajoute un peu de français. Quand il dit « mon soko abim ko soko », les gens disent « papa osoko, tu as j'ai pleuré, mais je n'ai pas pleuré, tu as pleuré ». Et il dit « c'est pourquoi il faut aller à la rupture de la rupture ». Alors s'il veut aller à la rupture de la rupture, cela suppose que en fait, toutes les lois qui ont été votées, les réformes qui ont été engagées, en fait, même le système partisan, il n'adhère pas. Par conséquent, il faut trouver la formule pour venir balayer tout ça là et remettre, en fait, ils disent que la démocratie est galvaudée. Donc, pour eux, les démocrates, aussi bien au Parlement que dans les séminaires, autant les suivre, ils disent qu'il faut restaurer la démocratie. Permettez, c'est les hypothèses. Deux hypothèses, pour une idée peut-être à des intérêts qu'il n'a pas pu se regarder. Devenu président
du grand parti d'opposition, il devient chef de file de l'opposition et il pourra jouer du mieux qu'il peut pour appeler Patrice Talon à la table de négociation pour lui faire accepter, garantir ses intérêts qui sont apparemment menacés. Troisième hypothèse, vous savez évidemment que les élections générales qui sont organisées, parce que Bouniga n'a pas digéré les élections de 2019, de 2020, les communales de 2021 et les récentes élections de 2023 où on a proclamé, en fait, où après la Sénat a dit que les documents électoraux étaient caducs, avec frappé d'obsolescence et de désuétude. Il y a eu trop de commentaires, nous sommes de la société. J'ai des amis démocrates, j'ai des amis UPR, des amis BR. Je chante avec eux parce qu'ils savent que j'essaie d'investiguer pour avoir les éléments d'analyse. Moi, j'expose les faits, j'apprécie, j'analyse, je ne veux pas être ami de quelqu'un. D'accord. Mais il faut dire évidemment que ça répond à une stratégie politique. Boni Yayi, président des démocrates, est-il un os assez, je vais dire, assez solide qui va s'incruster dans la gorge de la majorité présidentielle? Mais vous et moi convenons qu'évidemment, il a un charisme en tant qu'ancien chef d'État. Deuxièmement, c'est un populiste. C'est même le père du populisme au Bénin. Alors, un populiste comme lui, quand il va sortir, regardez sa balade en janvier 2023 au nord. Et s'il venait à Cotonou? Il va drainer les fonds. Vous êtes sûr que Job Bonou serait élu dans la 16e? Mais Boni Yayi constitue en fait... Un poids politique. Trop fort, trop lourd. Un mastodonte. C'est à croire que en fait, la paix des braves qu'ils ont sur les talons et Boni Yayi n'a pas été de paix effective. Et le cas de concertation que le président a annoncé n'a pas été, à mon sens, formalisé. D'accord. Si c'est quand c'est formalisé, les deux personnalités en fait, avaient associé, avec l'appui du président Sougoulo, pourraient trouver des formules pour que les chefs d'État, les anciens, se mettent au-dessus de la mêlée. Parce que l'article 42, déjà, a disqualifié Boni Yayi pour des appétits de pouvoir. Maintenant, c'est que, politiquement parlant, quand Boni Yayi sort, c'est compliqué pour l'équation, d'accord, la gouvernance qui est en cours actuellement. Très bien. Allez, que pensez-vous de la désignation de Boni Yayi comme nouveau président du parti d'opposition Les Démocrates? Voilà la question que nous vous avons adressée pour que vous puissiez, évidemment, de votre position à travers un post sur nos canaux digitaux, vous puissiez participer au débat politique de ce lundi matin. Et Maurice Tantan se fait prête-voix de vos propos. Bonjour et bienvenue, Maurice. Bonjour, Eman. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme tous les lundis, le débat politique de 5 et 7 matin s'est mené également sur la toile avec de nombreuses réactions de la part de nos amis internautes. Et autant vous prévenir, les internautes sont divisés sur le choix du président Boni Yayi comme chef du parti Les Démocrates. Pour les uns, l'ancien chef d'État est un homme politique expérimenté et populaire. Il serait le mieux placé à ce poste pour conduire Les Démocrates vers des victoires électorales dans le futur. Pour les autres, c'est tout simplement une erreur de casting, un mauvais casting de la part du parti Les Démocrates. Ils estiment que Boni Yayi devrait rester au-dessus de la mêlée et laisser la place aux jeunes leaders politiques qui doivent forcément émerger de ce parti politique. On va voir donc les commentaires dans le détail à présent. On commence avec Roscoe Totin qui, sur la page Facebook de 5 sur 7 matin, nous écrit: les démocrates ont compris que la place qu'il faut désormais pour Boni Yayi est d'être président de ce parti politique et non un parrain. Boni Yayi est un homme de visibilité absolue, d'expérience sur beaucoup de plans, surtout sur le plan politique. Vu les échéances à venir, j'apprécie le choix fait par les démocrates. Il faut vraiment des politiciens avertis aux commandes de ce parti politique pour prétendre avoir des résultats positifs d'ici quelques années, conclut Roscoe Totin. Roland Bocor nous dit: c'est bien sûr pour la présidentielle à venir car il faut un chef de l'opposition qui fasse l'unanimité face à un régime qui s'est enraciné pendant près d'une décennie. L'expérience de l'ancien président Boni Yayi sera importante car il aura à beaucoup s'investir pour cette cause. Il peut bénéficier de plus d'attention et de respect de la part de la rupture et de son chef. Vivement que cette situation ne fragilise davantage cette paix précaire dans notre pays avec des dérapages par la ruse et la rage, souhaite donc Roland
Boko. On reste toujours sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Encore d'autres avis de d'internautes. Mohamed Manza dit « Ceci est une erreur grave. C'est à croire qu'il n'y a pas de valeur sûre dans ce parti. Pourtant, si, selon moi, écrit-il, mis à part sa popularité due à son statut d'ancien président, Boni Yayi est fini en termes de gouvernance. » Au Bénin, estime cet internaute qui dit « Il faut qu'on soit sérieux dans nos choix. La jeunesse aussi aspire au pouvoir », rappelle Mohamed Manza. Mettons-nous à Danrou, nous dit « Constitutionnellement, l'ancien président Boni Yayi est hors jeu avec son cumul de mandats et ses 71 ans d'âge. Il serait mieux en termes de sage de ce parti politique. Les jeunes aussi ont droit à la vie politique. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être à la tête du parti avant de jouer son rôle. » Jean Zounon dit « Les démocrates ont compris le défi de l'opposition qui est d'avoir un homme politique mûr, un rassembleur, un homme du sérail. Le président Boni Yayi est un homme de visibilité, il a l'expérience de la chose et peut conduire l'opposition béninoise à un lendemain meilleur. Même unifier tous les partis politiques d'opposition, il en est capable, estime Jean Zounon. » Un dernier commentaire sur la page Facebook de notre émission, il est signé Germain Hungbo qui dit « C'est des contradictions, il cite, c'est des contradictions que jaillit la lumière », a déclaré l'honorable Nambim, représentant du parti UPR lors du congrès de Parakou. Celui qui a encore la capacité d'alimenter cette contradiction est Boni Yayi. Son choix à la tête du parti Les Démocrates est donc amplement mérité et justifié. Que Dieu bénisse le Bénin et que les Béninois soient fiers de ses, de leurs hommes politiques, on va dire. Un dernier commentaire encore sur X, anciennement appelé Twitter. Cessez-nous, Fouekpe Todji nous dit « La désignation de Boni Yayi comme président du parti Les Démocrates prouve que ce parti n'a pas de vision à long terme et manque d'un vrai leader qui fera consensus au sein du groupe. Cela ressemble à un regroupement électoraliste et circonstanciel contre le pouvoir en place. » Comme je vous l'ai annoncé, il y a eu énormément de commentaires sur la toile, sur le sujet. Les avis, comme vous l'avez constaté également, sont partagés. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantin, pour ces avis relayés pour nous. Allez, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve très très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. Messieurs, alors chacun aura 20 secondes, mais alors rigoureusement pour conclure sur le sujet Boni Yayi. Quand on se place dans la posture de ce que la politique s'est conquérir et exercer le pouvoir d'État, tous les moyens légaux sont bons pour y arriver, et Boni Yayi constitue, pourquoi pas, pour l'opposition, une bonne alternative. Non, tous les moyens ne sont pas toujours bons. Légaux, j'ai ajouté. Oui, légaux. Bon, tous les moyens aussi ne sont pas légaux. Écoutez, je vais vous dire une chose. Et toute génération a sa mission, le temps de sa mission, l'assume, et puis part en laissant derrière ce qu'il faut pour la nouvelle génération pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et si on a déjà joué sa mission et qu'on revient, qu'on doit revenir dans l'arène, c'est que quelque part, il y a eu défaut dans le départ. Alors, et il faut que chacun prenne conscience de ça, que notre pays ne peut pas toujours être en train de réécrire son histoire. D'accord. On l'a vu, la même situation se produit en Côte d'Ivoire, par exemple, où feu Conan Bédier, Henri Conan Bédier, le Sphinx, comme on l'appelle, est resté pendant longtemps président du PDC, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, qui lui aussi a été pendant longtemps président du FPI, le Front populaire ivoirien, avant de créer lui-même son propre parti de retour donc des jeunes de La Haye, et le président Alassane Ouattara, président donc du RHDP. Et donc clairement, ce sont ces anciens présidents là qui occupent ou qui occupaient jusqu'à un passé récent, ou qui occupent, j'allais dire, la scène politique. On est en train d'assister presque à la même situation. Non, vous savez, en désignant Boni Yayi, comparaison n'est pas raison, en désignant Boni Yayi comme président du Parti Les Démocrates, c'est un échec cuisant. Ça, disons les choses clairement, Boni Yayi, c'est vrai que c'est un animal politique, mais en matière de stratégie, Boni n'a pas les moyens. Donc je dis, on aurait pu, parce que vous avez vu les difficultés qu'il y a eu entre le président Talon et Boni Yayi. Je crois que Boni Yayi, ça serait une guerre permanente, et c'est au détriment du parti les démocrates et la désignation. Les Béninois ne doivent pas oublier ce qui s'est passé en 2021 pour la présidentielle, dans le cadre de la désignation du candidat des démocrates. Et je crois qu'il y aura encore ce même phénomène-là en 2026. Boni Yayi va vouloir
Boyan va vouloir imposer son candidat au détriment des intérêts du parti. Et ils vont se tirer une balle dans les pieds. Et puis là, ils vont perdre. D'accord. Ou accepter qu'il fasse discrimination sur... juste un mot. J'aimerais dire à Moïse que, en fait, le champ politique, c'est un champ de bataille. Et puis, c'est le lieu dans lequel l'irrationnel peut faire sa raison et l'illogique peut faire sa logique. Donc, Gaï, en venant au pouvoir, en 2006, disait qu'il n'a pas lu un ouvrage. Le prince de Machiavel. C'est un témoignage venant de lui. Mais je doute fort qu'il n'ait pas encore lu l'art de la guerre de Sun Tzu. D'accord. Donc, il a déjà dépassé Machiavel et il est déjà à l'art de Sun Tzu. Et dans ces conditions, il faut craindre que cet acteur politique, qui est devenu redoutable, ne puisse, en fait, parce qu'il met le cap sur l'Assemblée, et par la suite, il va proposer son candidat pour 2026. Les réformes qui sont en cours, forcément, seront mises en mal. Et dans cette condition, c'est qu'il appartient au président Talon d'améliorer la qualité de la gouvernance sur le triennal 2024, 2025, 2026, si tant il est vrai qu'il veut sortir par la grande porte. Très bien. Allez, messieurs, on finit avec le Niger qui a évincé donc, la coordonnatrice du système des Nations Unies dans le pays. Ils n'ont pas du tout digéré les militaires. Le traitement qui leur a été fait lors de la dernière Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies où le tapis rouge a été déroulé à l'ancien chef de la diplomatie donc du gouvernement de Mohamed Bazoum qui depuis lors est assigné à résidence donc par les poutistes qui ont pris le pouvoir. Et donc en représailles, ils ont tout simplement viré la coordonnatrice du système des Nations Unies. Je crois que le Niger n'est pas... fait né du néant, c'est pas Esnerilo. Depuis un moment, depuis le 26 juillet 2023, que les Pouchis sont venus au pouvoir, on a vu évidemment qu'ils ont une ligne de conduite. C'est pas la première ni la dernière, en fait, personnalité que les Nigériens vont renvoyer certainement, parce qu'ils sont dans une dynamique. Il faut savoir lire la question nigérienne. Parce que quand les médias France-Africains traitent l'information, c'est différent du traitement de l'information par les médias panafricains et c'est encore différent du traitement de l'information par les journalistes d'investigation, y compris maintenant les scientifiques qui sont dans nos espaces universitaires. Alors la question du renvoi, en fait, c'est parce que Niger estime qu'il y a eu entrave ils ont parlé à son statut international. Pour bien citer leurs propos, ils ont parlé d'entrave, de sabotage commandité et de manœuvres sournoises sous l'instigation de la France et destinées à nuire au Niger. Voilà. En fait, je ne veux pas citer la France, mais tu sais évidemment que. Non, ce sont les propos. Ils n'ont pas pu participer pleinement et entièrement, en fait, aux travaux de l'Assemblée générale, en fait, la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et ça les a offusqués et dérangés. D'accord. Et c'est surtout, évidemment, que Madame Louise Aubin, qui est représentante des Nations Unies, le système des Nations Unies, au Niger, a des comportements, des agissements qui entravent aussi. Parce que, évidemment, c'est un peu comme si elle recevait des instructions de Guterres, de Antonio, pour agir. Si bien que la jeune au pouvoir estime qu'elle est persona non grata et ne peut plus rester au Niger, au risque de ternir l'image. Et au même moment, leur décision est intervenue quand les États-Unis ont suspendu les 600 millions de dollars qui devaient aider. Alors qu'on dit bien, selon Guterres, qui a dit évidemment qu'il regrette profondément, il dit mais qu'au Niger, il y a quand même 4,3 millions. D'habitants qui ont besoin de l'aide humanitaire. Je crois que dans cette affaire, il faut savoir raison garder et il faut encourager le pourparler afin qu'on trouve une solution qui ne pénalise pas les populations. La junte a accès aux ressources illimitées et a le confort qu'il faut. On a beau prendre des sanctions, on ne va pas faire du mal à la junte, mais c'est les populations qui vont en pâtir. Donc, trouvons des solutions intelligentes à la situation crise. Qui prévaut. Docteur Paul Marie Ouessou, aujourd'hui, lorsqu'on observe la situation, on se rend compte que le Niger a renvoyé les forces françaises qui opéraient donc dans le Sahel. Le Niger a viré l'ambassadeur français. Ils viennent de virer maintenant aussi la coordonnatrice du système des Nations Unies dans la foulée des États-Unis qui retire leur aide de 500 millions de dollars. Est-ce que le pays, ça vraiment sera en 45 secondes, est-il en train de s'isoler diplomatiquement? Non. D'accord. Du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Le Niger, il y a un phénomène dans le Sahel qu'il faut reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas ça et que vous êtes francophile dans la tête, donc colonisé par la France, vous pensez que dès que le Niger
ne peut pas recevoir de l'aide du FMI. Désormais, le Niger va mourir. C'est faux. C'est complètement faux. La géopolitique a complètement changé. Aujourd'hui, le Niger va devenir une puissance. D'accord. Si ces militaires travaillent dans la symbiose de cette organisation, de l'alliance des États du Sahel, tels qu'ils l'ont construit. D'accord. Moi, je voudrais quand même... Non, franchement, le temps est complètement terminé, malheureusement. Oui, 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 malheureusement. Je suis désolé. Malheureusement. Mais je suis désolé, mais c'est très important de lui dire qu'il faut cesser de continuer de regarder les autorités nigériennes d'aujourd'hui comme une junte. Ce sont des autorités autant que les autorités françaises, autant que les autorités béninoises, autant que les autorités togolaises, autant que toute autorité sur la terre. Alors, permettez-moi, docteur, et que donc, je vous apporte une petite clarification. Jusqu'à présent, les États-Unis ont évité de parler de coup d'État au Niger pour qualifier donc la prise de pouvoir par une junte au Niger parce que, justement, selon l'article 70.08 de ce qu'ils appellent la Consolidated Appropriation Act, interdit donc de fournir toute aide financière au gouvernement, je cite, hein, à un gouvernement d'un pays dont le chef de gouvernement dûment élu est déposé par un coup d'État ou un décret militaire ou soutenu par l'armée. Donc depuis lors, les États-Unis ont refusé de parler de coup d'État pour continuer par apporter leur aide. Mais avec cette histoire, le coup d'État est reconnu et puis bon, on est passé. Les États-Unis se feront virer du Niger exactement comme les autres. D'accord. Attendez, enfin, il faut quand même, parce que quand on le dit comme ça et que c'est parti comme ça. Vous voyez, il y a des interprétations après, comme quoi vous... Il faut quand même qu'on donne de l'argument derrière ce que nous disons. C'est-à-dire que les États-Unis se feront virer du Niger, comme la France, comme tout autre État, s'ils ne reconnaissent pas... S'ils ne servent pas les rangs. Parce qu'ils ont besoin du Niger, plus que le Niger a besoin d'aujourd'hui. Une fois que le peuple nigérien n'est pas contre son gouvernement, il faut que les institutions étrangères évitent l'ingérence dans les affaires internes des pays. Les Nigériens sont d'accord avec le gouvernement, le reste c'est... Je vous apporte mon aide, mais c'est à mes conditions. Non. Est-ce que quand ça se passe chez eux, et nous on leur a dit désormais, pour exploiter nos ressources, je vous apporte mes conditions? Non. Je dis, il faut laisser les Nigériens gérer leur État. Si vous avez des soutiens, si tant est que cela pense à la population nigérienne, il ne doit pas regarder. Le président, le Niger a accepté son gouvernement, et basta, on continue. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Alphonse Moïse Soulet. Vous êtes analyste politique. Merci, Dr. Paul-Marie Ouessou. Aujourd'hui encore, c'était très chaud. Merci, Francis Soulet. Attendez, c'était la rentrée pour vous sur 5 sur 7 Patreon. On espère vous retrouver, messieurs, lundi prochain pour continuer par parler politique, pour continuer par poser la réflexion sur des sujets dignes d'intérêt. Merci, je vous souhaite de passer une très belle journée. 5 sur 7 matin encore, deux derniers rendez-vous.